Ah bah, je voulais dire, c'est comme ça, il faut qu'il y ait des talents pour avoir de la nouvelle, je pense que c'est pas vrai. La caserne de Patrick Boiteau, à partir du jour, mais qui l'a fait, et qui connaît, qui a eu des succès exceptionnels avec sa mère, Carl Frey, qui fut la craque dont tout le monde se souvient, et qui vient de Carl Frey, qui connaît par Arnaud Chalier-Chambou, et surtout par Philippe Sansac, qui a tout gagné à Hauteur, et ça par 10, 15, 20 joueurs, qui a été des dessins dans un pays mauricien. La barbe, on a pu le voir. Et cette carte fight est désormais première et elle a donné naissance à ce Speedrun, qui est son premier produit. Ce Boiteau a décidé d'aller à mon jeu avec cette carte fight. Et c'était avant, juste avant que mon jeu ne devienne des talons célèbres qu'il est devenu. Il est mort, désormais, puisque Patrick Boiteau a été à mon jeu lorsque. Et il a donné ça donné ce Speeder Fight. Alors Speeder Fight, on sait que le voir gagner. Speeder Fight a gagné plusieurs courses, mais il n'a pas la catégorie de la course. Et bien si vous regardez bien le cheval dans son arrière-main, vos yeux habitués vont pouvoir constater qu'il a une pointe de hanche légèrement, de hauteur légèrement inférieure à l'autre. C'est un accident qu'il a subi